Bonjour François. Bonjour Karine. Alors vous êtes président de l'établissement français du sang. Expliquez-nous en quoi consiste votre mission principale. Alors notre défi au quotidien, c'est de pouvoir collecter assez de produits sanguins pour les malades qui en ont besoin. Tous les jours, il nous faut collecter 10 000 dons. Oh, c'est énorme 10 000 dons. C'est beaucoup. Mais alors comment vous faites? Vous faites appel surtout aux donneurs réguliers, j'imagine? Alors nous avons des donneurs réguliers et heureusement, il y a 1 700 000 donneurs environ qui tous les ans donnent. Mais nous avons aussi 170 000 donneurs qui tous les ans quittent les fichiers parce qu'ils ont atteint la limite d'âge, 70 ans, ou parce qu'ils ont des problèmes de santé. Et donc nous sommes obligés de faire des campagnes pour renouveler les donneurs. Mais alors on s'adresse à qui pour recruter des nouveaux donneurs? Alors on s'adresse à tout le monde. Il n'y a que 4% de la population française qui donne son sang et qui c'est en âge de donner. Et donc ce qui est important, c'est de dire aux jeunes, écoutez, inscrivez le don du sang dans votre vie, dans votre responsabilité citoyenne. Mmh. Et ça nous semble être un des éléments très importants pour demain. Grâce au don de sang, ce sont chaque jour des vies sauvées, mais aussi l'occasion de partager un peu de nous.